Là, j'ai envoyé un courriel pour dire que j'ai des séances de formation à 19 h. Faut pas que je me mette à envoyer ça à tout le monde. Ils vont se tanner. Fait qu'ils vont se désabonner. Fait que si vous voulez avoir les informations, à savoir quand est-ce les heures de formation, cliquez sur ce formulaire-là ici, que vous allez voir ici d'à côté, là. Et à ce moment-là, quand j'enverrai les heures de formation, j'enverrai à ce groupe-là seulement. Fait que, au début, là, je l'envoie à tout le monde en général, mais après ça, il va falloir que je l'envoie juste au groupe. On va lire le texte. Si vous ne l'avez pas rempli, ou même vous pouvez l'avoir rempli, je vous conseille de le remplir encore au cas pour recevoir nos horaires de formation et les horaires de ceux, celles qui donneront de la formation à distance. OK, je parle de mes horaires à moi. Disons qu'à un moment donné, mettons que vous voulez donner de la formation, peu importe, un autre formateur, un autre secrétaire, il peut donner de la formation. Fait que, autrement dit, vous pouvez assister à n'importe quelle formation des autres. Fait que dans l'horaire, autrement dit, on va mentionner les heures de formation que, mettons, que Carole donne, que Francine donne, que Madeleine donne dessus. Fait que vous pourrez assister dedans. Chacun va avoir des petits trucs. Fait que ça va vous donner des petits trucs de plus à connaître. Vous pouvez assister aux formations de n'importe quelle autre personne qui en donnera. En notant qu'il y a encore de place, car le nombre est limité selon la licence achetée. Bon, c'est ça. Comme moi, par exemple, j'ai une licence jusqu'à 100. Fait que si à un moment donné ça dépasse, c'est-à-dire que je n'ai même pas pris de licence, en réalité, je suis le jour gratuit. Fait que dépasser 100, ou après 40 minutes, ça coupe. Fait qu'à un moment donné, je vais prendre une licence, mais s'il y a encore de la place pour assister, vous assistez, ça ne dérange pas pas d'autres. Fait qu'en réalité, vous allez en apprendre plus. C'est parce qu'en réalité, il y a une limite dedans. Comme à date du 8 avril 2020, j'en ai même pas encore acheté une licence, je suis limité à 40 minutes par séance. OK, j'ai écrit ce texte-là le 8 avril, puis je n'ai même pas encore de licence, puis je suis limité, par exemple, à 40 minutes. Mais que je prenne une licence, c'est 20 $ par mois. Il faut que je dise aux participants que ça va planter de se reconnecter et faire un autre 40 minutes. Comme ça, je n'ai pas encore eu à acheter la licence qui coûtera $20 par mois. Autrement dit, quand après 40 minutes, ça plante un peu comme souvent les sites, fait que ça plante. Fait que, à ce moment-là, ben, à date, je ne vais pas plus de suite. Là, dire, on va aller pour sauver le plus possible. Fait que, autrement dit, vous pouvez assister aux autres séances s'il y a encore de la place.